Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de Draft Gap. Et dans cet épisode, on va pouvoir revenir sur la première demi-finale des Worlds 2022 entre JDG et T1, donc le dernier représentant de la LPL qui affronte le seed 2 coréen. Et une équipe assez puissante, assez polyvalente du côté des T1, qui affronte certainement l'un des meilleurs top laners du monde avec l'un des meilleurs junglers du monde et trois joueurs qui ont été mis dessus à côté. Pour être honnête, mais ça pour le coup on pouvait, là en réalité, bon là je dis ça parce que ça s'est surtout senti dans ce BO, mais en réalité c'est vrai que c'est pas forcément un bot side qui a été si problématique que ça pendant le reste de la compétition. Donc c'est vraiment quand on arrive dans le dernier carré que les plus grosses faiblesses des équipes commencent à se faire sentir, et ça s'est fait sentir sur ce BO. Du coup on va analyser la dernière game, la victoire de T1, donc la quatrième game. Donc la victoire de T1 sur le score de 3 à 1. Alors pour un coup, encore une fois, j'ai encore fait le truc où je mets directement les rôles, enfin les champions directement sur le pick ban GG pour pouvoir mettre très rapidement et pouvoir parler un peu plus des dynamiques sans en perdre un petit peu de temps à ce niveau-là. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas Belved du coup que j'ai mis dans les pick-ans, mais du coup je vais quand même avoir besoin de la déplacer. Donc on va très certainement choisir Shyvana encore une fois comme d'habitude pour faire comme si c'était Belved quoi, basiquement. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette draft? Alors déjà on va parler des bans parce que ça va permettre de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé avant cette quatrième game. Donc déjà on a JDG qui a choisi le blue side parce qu'ils viennent de perdre contre T1 dans la game 3. Donc dans la game 3, on avait Faker sur un super rise qui a à peu près décalé toute la game, et ce qui a notamment permis à Gomayushi et Kiria de s'exprimer et d'accélérer le combo Lucian Nami pour qu'il le fasse enfin fonctionner contre Aphelios Lulu, qui est un truc qu'on n'a pas forcément vu fonctionner depuis jusqu'à ce BO-là, basiquement, parce qu'ils avaient déjà réussi à gagner dans la game 2 à peu près de la même manière, mais comme vous pouvez le voir ici et sur les timelines, basiquement, c'est basiquement un duo bot qui n'a pas tendance à avoir énormément d'avantages basiquement jusqu'à la 25e minute. Donc c'est pas une composition que tu prends, c'est plus une composition que tu prends pour win la lane à partir du moment où tu l'as en face de Aphelios Lulu. Comme vous pouvez le voir, le niveau de la courbe des golds, bon, c'est pas comme si on avait des avantages énormes, quoi. On a 500 gold max entre les deux AD carry à partir de la 20e minute. Bon, c'est pas comme si c'était des différences qui étaient insurmontables non plus. Donc c'est pas incroyable. Et d'ailleurs, ils se sont fait duo kill, basiquement, ouais, c'est ça. C'était un trade kill, mais Aphelios, c'est le kill, donc c'était... sur Lucian en premier, donc c'était worse pour JDG. Donc ils étaient en train de perdre la lane jusqu'à ce que, basiquement, il y a eu quelques petits retournements de situation. Et pour ce qui est de la game 3, par contre, c'est à peu près la même chose qui s'est passée, enfin, qui était partie pour se passer, sauf que, eh bien, on a eu magnifique accélération très rapide à partir de la minute 8. Donc on a eu des... désolé, parce que en fait j'essaie de déplacer ça, et en fait c'est au maximum déjà, donc ça me fait bouger tout le truc, bref. Donc là, tout ça, on a que des batailles de topside qui se passent, et ensuite on a un solo kill de Hope, quand je dis solo kill, effectivement c'est juste un kill de lane, basiquement, donc c'est du pur 2v2, quoi, avec Gumayusi, mais les T1 arrivent à remonter tout grâce à un roam de Faker qui permet, basiquement, de renverser un petit peu l'action sur le bot side. Et à partir de là, la game un peu s'enflamme et on a des morts de partout. C'est un peu la guerre. Mais à 15 minutes, on est sur on est sur 1000 gold d'avance entre les ADC. Il y a un truc qui s'est quasiment pas revu dans le BO. Même dans la game qu'on va analyser actuellement. Donc bref. Donc, ce qu'on a vu, c'est que T1 a réussi à faire fonctionner le combo Lucian Nami grâce à, en l'accélérant basiquement, grâce à des roams de la mid lane. Et qui donnait aussi lieu au fait que on s'est rendu compte que la botlane des JDG n'arrivait pas forcément à gérer sa wave suffisamment bien pour pouvoir s'empêcher de ce genre de gank. Et donc c'était compliqué. C'est compliqué. Du coup, ils sentent que le Lucian Nami ça marche pas. Enfin, contre eux, du coup. Donc ils décident de le bannir, parce qu'ils n'ont pas envie de le pick non plus. Parce qu'ils pensent pas qu'ils arriveront à le faire fonctionner. De la même manière que T1 arrive à le faire fonctionner. Ce qui pour moi est déjà un peu le témoignage d'un bot side qui commence à montrer ses limites. Parce qu'on est sur un pick qui est une duo lane, donc Lucian Nami qui est une duo lane qui est basée sur le fait de réussir à passer devant en early game ou en phase de lane pour pouvoir derrière tenter des petits one shots et vraiment mettre des gros dégâts à l'adversaire et
ben, potentiellement gagner le teamfight avant même qu'il ait commencé, quoi. Mais comme on est sur une équipe donc des JDG qui ne peut pas pick Lucian Nami parce qu'ils savent qu'ils n'arriveront pas à le faire fonctionner comme T1 l'a fait, c'est-à-dire avec en utilisant la synergie mid-bot, et ben on se retrouve déjà dans un petit problème au niveau draft parce que ça leur bousille un ban en blue side, hein, ce qui est un peu compliqué du coup. Ensuite, on a le bannissement de Ryze qui est notamment dû au fait que bah, sur les deux games, deux dernières games, les deux games qu'ont gagné T1, c'était Faker sur Ryze, quoi. Alors, est-ce que j'ai besoin d'expliquer à quel point est-ce que Ryze est potentiellement l'un des picks les plus iconiques de Faker, si ce n'est le pick le plus iconique de Faker dans toute son histoire. Donc, c'est un petit peu normal qu'il soit meilleur que tout le monde là-dessus. Donc, je peux comprendre. Surtout que tu viens de perdre deux games sur un pick comme ça. Il y a l'avantage de pouvoir assez rapidement shove la wave contre un Azir et potentiellement partir sur des décalages. Il a assez bien joué avec le fog pour pas forcément se montrer très souvent dans la game, et donc ça pose un petit peu le doute sur les actions sur le JG qui a pas forcément pu faire exploser la map, hein, de la même manière qu'ils auraient voulu. Voilà. Caitlyn, c'est le meilleur DC du jeu, donc pour l'instant le bannissement il est un peu raccord. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de le voir bannir en blue side et pas pick en fait. C'est ça que je trouve bizarre. Est-ce que c'est un problème de Hope qui sait pas jouer le champion ou pas? Parce que c'est vrai que généralement c'est un ban qu'on a plus tendance à voir en red side. Et le fait de le bannir dès le début en blue side, ça permet à T1 par exemple de ban le Graves ici, qui est un pick qui a été vu notamment pendant pas mal de cars en général et qui a la capacité de potentiellement pouvoir exploser des games parce qu'il peut faire des invades de fou et il a des clears un peu facile, un peu rapide par rapport à d'autres jungles actuellement et peut rentrer dans pas mal de compositions. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il se fait bannir en général, mais il n'y a pas forcément tendance à être banni en red side sans que l'équipe en blue side puisse pick des picks sur justement Caitlyn. Le Aatrox et la Yuumi par contre c'est des bannissements qui sont très très standards du blue, enfin, du red side, donc on va pas forcément trop en parler. Et du coup là on a un B1, c'est Johnny du côté de JDG. Alors encore une fois c'est un B1 que je trouve plutôt intéressant, surtout en blue side. Encore une fois pour les mêmes raisons que j'ai données à chaque épisode, c'est-à-dire que c'est un flex, ça peut rentrer dans pas mal de compositions. Ça permet de pas trop en dire sur ta draft et sur où est-ce que tu veux l'amener, basiquement. Donc c'est plutôt intéressant de B1 tout ça. T1 qui répond avec Varus et Viego. Alors Varus pick si tôt dans la draft, je crois que c'est assez rare en réalité. Parce qu'on a souvent tendance à le pick vraiment soit en counter pick, soit... oui ça c'est surtout en counter pick en général. Ou en deuxième rotation lorsqu'on a préféré prioriser d'autres picks en général. Le fait de le pick très tôt dans la partie et dans la draft en général, ça permet, même si on sait globalement qu'il va être genre soit mid, soit bot, on sait pas trop si quelle version de Varus on va avoir, basiquement. Parce que Varus a la version AP orientée vraiment pick-up, one-shot, dans la mid lane, qu'on a vu notamment sortie par Caps dans une game de LEC. Je crois que c'est le BO contre Rogue, le premier, pas la grande finals des LEC, mais le premier BO en win en bracket. Qui est notamment un bon counter d'Azir d'ailleurs, soit dit en passant, même s'il n'a pas été trop utilisé dans ces Worlds malheureusement. Même pas par G2 en plus. Ou alors il peut être en bot lane, et s'il est en bot lane, il a encore deux versions, c'est-à-dire soit la version plus AD carry classique, auto-attack, on-hit, avec Kraken Slayer, tout ça, où il est du coup un pick assez low range, mais du coup plus basé sur la réception d'engage en général. Donc il aime beaucoup lorsqu'il se fait foncer dessus parce que ça lui permet de potentiellement mettre plus facilement son ulti sur les gens et derrière de gagner énormément de DPS parce que du coup il se fait pas outrange quoi. Et on a aussi la version létalité qui est une version elle plus orientée poke, donc qui elle pour le coup a l'avantage de la range contre quasiment la totalité des ADC en général. Et qui par contre elle a peut-être moins de DPS mais légèrement plus de burst on va dire. C'est pas la version de Varus qui a le plus de burst, mais elle est on va dire que c'est d'abord la version AP, ensuite la létalité, ensuite le on-hit. Mais que par contre elle a un avantage de portée non négligeable, surtout par rapport à sa version AP qui a pas un Q-spell aussi fort, bref. Donc c'est intéressant de le pick en red side tout de suite. Surtout que si tu veux sécuriser le pick d'ADC très rapidement dans la game, vu que tu vois qu'il y a quand même pas mal d'AD carry qui commence à être, banni, notamment du coup le Lucian et la Caitlyn. Donc c'est pas une si mauvaise idée que ça, surtout qu'il peut rentrer dans pas mal de compositions grâce à cette capacité à avoir différents modes. Et en plus on sait même pas forcément s'il est sur les bot side à ce moment-là de la draft, donc c'est plutôt intéressant. Le Viego par contre j'aime un petit peu moins, bon... Ça n'a pas une synergie totalement non existante avec Varus parce que tu peux quand même réussir à réaliser des pick-up avec l'ulti de Varus sur un mec et derrière permettre de faciliter l'obtention de reset de Viego. Mais c'est vrai que bon,
pick forcément jungle, pick qui a tendance à être que dans les compositions type pick-up, go-in, engage. Ce qui n'est pas forcément non plus le fort de Varus. Il peut théoriquement balancer des chaînes de corruption, mais c'est pas non plus, pas non plus l'initiateur principal des games, et surtout c'est pas forcément ce qu'il préfère faire dans la partie, quoi, même si c'est une possibilité. Donc je suis pas extrêmement fan du pick de Viego pour l'instant, mais on verra quand on voit ensuite. Là tout de suite c'est pas forcément problématique, hein, c'est l'un des deux picks qui va poser problème au bout d'un moment dans la partie, si en fonction de vers où est-ce que la draft des T1 va s'orienter. Alors ensuite on a Belvet qui a été sélectionné du côté de JDG avec Karma. Alors c'est un petit peu particulier pour le coup parce que c'est pas une réponse directe théoriquement au niveau des deux picks à ce qu'a réalisé, enfin à ce qu'a sélectionné T1. Le fait de pick Belvet très rapidement dans la draft, déjà, ça counter, on essaie de counter directement le Viego, mais on casse un petit peu le potentiel de flex de la Sejuani dès les B2, B3, parce que Belvet peut être, basiquement, a été joué en tout cas, pour l'instant dans les Worlds, que en jungle, et Karma est que en support quasiment, même si elle peut arriver sur les solo lanes, on est d'accord, mais c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup été utilisée comme solo laner pour l'instant dans les Worlds, donc c'est quasiment tout le temps en support. Donc théoriquement, je ne suis pas forcément contre le fait de sélectionner ces champions-là en B2, B3, sachant que théoriquement, ils peuvent être flex. On sait que Belvet peut être joué sur les lanes depuis qu'on a, les changements sur son passif en général, et Karma peut être joué sur les lanes parce qu'on l'a déjà vu, pas forcément dans l'année, mais dans l'histoire de League of Legends, elle a souvent pu être positionnée dans les solo lanes parce que c'est un très bon comment on appelle ça, suppresseur, on va dire, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais en gros elle va basiquement permettre de comment dire, empêcher une lane de trop s'accélérer entre guillemets. Ça va être comment est-ce qu'on appelle ça, j'arriverai jamais à trouver, mais bref, un unificateur peut-être, je sais pas. Donc tu la fous contre un pick qui est censé snowball, et puis le pick va jamais snowball de sa vie parce que tu peux pas tuer une Karma. Bref. Donc théoriquement, c'est pas problématique. Le problème, c'est que dans le contexte des Worlds, on sait que c'est pas des picks flex. Donc c'est pas non plus la meilleure utilisation de counter, tout ça. Surtout que t'as pas forcément obligé de partir sur Karma dès le début, parce que tu peux commencer à counter pick l'ADC, vu que c'est ce qui a été pick en premier du côté des T1. Mais bref. Du coup, tu sais que le Sejuani est top, la Belvet jungle et la Karma en support, pour l'instant. Et en R3, on va avoir le Azir de T1. Alors, Azir, je suis plutôt fan. Donc déjà, bon, ça nique un peu le flex de Varus, mais bon, à la limite, on s'en fiche parce que ta dynamique de draft est plutôt set du côté de T1, alors que du côté de JDG, on se cherche un peu. Ça a l'air d'être aussi une composition qui est basée sur le fait de prendre des resets et de snowball grâce à ça, notamment avec la Belvet, et avec la capacité de catch et d'engage de Sejuani. En plus, une compo dirigée en gros sur du go-in en général. Karma peut faire à peu près pas mal de choses, mais c'est vrai qu'elle peut rentrer sans problème dans une composition de poke. Qu'est-ce que je raconte? Engage. Belvet est basiquement que un champion qui bat sur les resets, donc il a besoin d'obtenir un kill, donc il va avoir besoin de foncer vers l'avant. Et c'est Johnny qui est également polyvalente. Donc on a deux champions qui sont plutôt polyvalents dans la draft des JDG, mais le fait d'avoir Belvet, ça va polariser la draft vers une compo très engage. Et à l'inverse, avoir ce pick de Azir sur la mid lane avec ce pick de Varus, ça te donne une réception d'engage plutôt intéressante au niveau des carries. Que Azir, s'il est joué de manière plutôt défensive, notamment en profitant de sa range, tout ça, et en gardant son outil pour repousser des éventuels assaillants, et quand même sur une version qui permet de cette année de poser ses DPS de manière assez tranquille. Et du coup, ça rend le travail de la Belvet vachement compliqué, parce que si elle a pas de reset, elle peut pas passer à travers le mur de Azir. Et donc c'est très compliqué pour elle d'arriver à le catch, et surtout sans pouvoir se faire alplaguer instantanément par le R de Varus. Plutôt intéressant en général. Je trouve que c'est une plutôt belle ouverture de draft T1, et que c'est pour l'instant ils sont devant. Même si on a ce Viego là qui... Voilà, le problème du Viego, c'est qu'on sait pas trop ce qu'il fout dans la draft. C'est ça le problème. On va avoir chez les T1, c'est que pour l'instant il n'a pas forcément énormément d'utilité, parce que comme la composition de T1 n'a pas vraiment envie de foncer vers l'avant, avoir un Viego qui dont le but c'est de foncer vers l'avant, ça va pas être intéressant, et surtout c'est pas forcément on theme avec les carries de T1. Pour les bans, alors du coup intéressant, de manière assez smart, les JDG vont ban Tahmkench, donc c'est un support qui est souvent pick en pair avec Varus, notamment parce que ça lui permet de se repositionner lorsqu'il se fait engage de manière assez violente, et que ça lui permet derrière de continuer à poser son DPS après. Et c'est plutôt intéressant du coup.
Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai dit une connerie quand j'ai parlé de Various on Hit et que j'ai dit qu'il jouait Kraken Slayer, alors qu'en fait, je crois qu'il a été joué Shinbo dans cette partie, si je me trompe pas. C'est ça, il a été joué Shinbo dans cette partie, exactement. Ça, ce sera pour la game suivante, tac tac, je me trompe dans mes anglais, tout va bien. Pour la game suivante, ça sera pour la pour l'analyse de game plus tard. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, oui, le ban de Temkench qui est un peu normal, qui est un peu intéressant, surtout que on a le scénario où c'est Johnny essaie de mettre une prison de glace sur Varus et où il se fait instantanément manger par Temkench et qui nullifie un peu l'engage en global. Du coup, c'est plutôt intéressant de bannir ce champion-là pour quand même t'autoriser à potentiellement, sur un malentendu, trouver un catch sur un Varus un peu mal placé et réussir à le tuer instantanément pour pouvoir supprimer déjà un carry. Et ensuite, la Fiora qui est là pour. Aucune idée. Là, j'avoue, je comprends pas trop ce ban en général, parce que c'est pas forcément un ban qui serait dans l'identité de jeu de T1. Après, c'est vrai que le split push va en général plutôt bien avec des compositions défensives, parce que tu peux te mettre sur le point, enfin, sur l'objectif, entre guillemets. Et en fait, si t'as tous tes carries et toute ton équipe qui se positionne sur l'objectif, ben, t'as juste à, basiquement... Même si t'es pas sur l'objectif, en réalité, t'as juste à essayer de mettre suffisamment de pression sur l'objectif pour pouvoir permettre à ton éventuel Fiora, on va dire que Graia c'est Fiora quoi, de push sur la lane opposée, notamment la top lane en général. Si la Fiora gagne sa lane et donc gagne son side, elle peut potentiellement partir sur un inhib, voire plus au niveau de la game, si les JJ jouent pas forcément de manière optimale et se retrouve un petit peu pris entre deux feux quoi, basiquement soit laisser l'objectif parce que sinon ta base se fait détruire, mais du coup laisser l'objectif et potentiellement donner dans le futur une âme ou un baron Nashor au G2, enfin au T1, excusez-moi, soit tu décides de flip l'objectif et de genre l'enfoncer dessus, mais du coup tu fonces sur une composition qui aime bien qu'on l'engage dessus, du coup c'est pas fou et en même temps tu te fais détruire ta base quoi, du coup c'est une stratégie qui peut bien synergiser. Après, c'est pas forcément la seule voie des T1 dans cette game-là. Surtout que c'est pas dit non plus que la Fiora se fasse soit en train de snowball, surtout si t'as 3-6-9 en top lane, mais bon. Après, t'imagines peut-être que c'est Johnny peut pas forcément gagner la game contre. Gagner la lane contre Fiora et l'empêcher de speed push, donc à la limite pourquoi pas. Et pour du coup, du côté de T1, on va bannir la Talia. Alors la Talia, c'est plutôt une référence à la game 1, donc la seule game gagnée de JDG avec Yagao qui était sur sa Talia. Je suppose qu'il considère que c'était assez compliqué d'arriver à trouver un catch sur Yagao quand il jouait un pick qui n'était pas forcément très comital. Mais on est quand même sur un pick un peu bizarre, enfin un ban un peu bizarre, parce que c'est pas dans l'identité de jeu de JDG pour l'instant. C'est-à-dire que là, pour l'instant, du côté du thème de JDG au niveau de la draft, c'est vraiment on fonce full sur les T1. Et Talia n'est pas non plus un champion qui counterpick très très bien la paire Varus Azir. Il aurait fallu potentiellement un pick avec plus de range. Donc même dans l'hypothèse qu'il prépare potentiellement, il essaye d'empêcher un changement de thème de la draft de JDG, ce qui n'est pas forcément, si impossible à faire vu que y a deux champions qui rentrent dans pas mal de compositions. C'est pas forcément, je pense, le meilleur pick à ban dans cette situation-là. Et voilà, je pense que la logique, c'est surtout, je pense que c'est Yagao qui a gagné sur sa game avec Talia, donc ils veulent potentiellement le mettre sur un champion sur lequel il est un peu moins à l'aise. Et du côté du ban de Ashe, par contre, je suppose que c'est encore une fois pour essayer d'empêcher au maximum le catch d'un éventuel Varus ou d'un Azir, parce que c'est vrai que ça dépend un petit peu des réflexes des joueurs, mais c'est vrai que la vitesse de la road Ashe depuis qu'elle s'est fait buff est assez impressionnante, on va dire. Et que c'est vachement plus difficile de react à cet arrow là qu'on pouvait par le passé. Bref. Du coup, c'est pas un pick si dégueulasse que ça, je pense. Surtout que comme elle a l'avantage théorique de la range sur un Varus, s'il est joué attack speed, et que je pense que c'est ce qu'ils veulent faire déjà dès cette partie-là de la draft, c'est pas forcément une si mauvaise idée que ça, de ban. Ensuite, du coup, on a la Renata en support qui va être pick du côté de T1 dans la deuxième phase de pick. Ce que je trouve être un bon pick en général, encore une fois, ça va dans l'identité de jeu, c'est encore un champion qui est là pour réceptionner une engage, qui te donne une phase de lane plutôt ok avec Varus, et dans le cas où il se ferait one-shot instantanément par un combo in de Sejuani et une Belvet, le fait d'avoir une Renata qui peut poser son DP, qui te permet de poser son DPS pendant le bailout, et si tu réussis à l'obtenir justement pendant le Z une fois que t'es en zombie,
d'ailleurs potentiellement ressuscité, c'est plutôt intéressant, surtout que ça delay également la faculté de Belved d'obtenir ses resets et donc de snowball dans la game. Donc je trouve que c'est un truc plutôt intéressant. Et en plus on a la synergie que j'avais pas vue d'ailleurs avant la draft entre Viego et Renata. Un combo qu'on avait beaucoup vu, notamment par les Fnatic, je crois qu'ils avaient commencé à la jouer dans les playoffs. Je crois que c'était plus les playoffs du Spring d'ailleurs. Pas sûr, mais bref. Non, même pas, ça peut pas être les playoffs du Spring. Bref, mais c'était un combo qu'on les avait vu jouer, notamment où on avait des Viego qui se lançaient dans des trades un peu compliqués. Et si, genre, ils ont pas le reset de peu, ça leur permet, grâce au bailout, de ressusciter et de derrière reprendre la forme et d'inverser le cours du fight. Donc, c'est pas si dégueulasse que ça. Même si je continue à penser que Viego est pas forcément optimal dans la composition actuelle des T1. Et ensuite, du coup, pour le B4-B5, c'est là que JDG décide d'exploser sa draft. Avec ce monde. Avec ce Jean. Alors. Bon. Pourquoi? Là, j'avoue que. Je sais pas si vous êtes venu dans cette vidéo avec la. Avec potentiellement l'objectif de trouver une raison à ce pic de Jean. Ça va être compliqué pour moi de vous la donner parce que j'en ai absolument aucune foutue idée. Je sais pas ce qui les a poussés à pick Jean dans une méta comme ça. Alors j'essaie juste de donner potentiellement des picks d'ADC qui sont meilleurs que Jean. Si tu veux garder un thème de plutôt zug-zug, c'est-à-dire vraiment on fonce en avant, full engage. Une Tristana, ça a déjà été pick dans les phases de groupe. Notamment, ça a été un pick de Gala et tout. C'est pas forcément un pick si, si dégueulasse que ça dans la game. Et même si tu continues de te faire counter par les T1, hein, mais c'est juste, quitte à être full Zug-Zug, autant y aller au max et être vraiment cohérent. Là, le problème de Jean, c'est que c'est pas un champion qui go-in très très bien. C'est un champion utilitaire qui va être là pour juste appliquer du soutien aux adversaires. Mais c'est pas un champion qui va être là pour vraiment permettre un one-shot. Vu que le problème, c'est que la cadence de tir, la vitesse d'attaque de Jean, comme elle est bridée par le personnage en général, ben, ça l'empêche vraiment d'avoir un burst si incroyable que ça. Et donc, c'est un peu compliqué à mettre en place cette stratégie un petit peu de reset avec la Belvette et tout ça. Si tu cherches absolument à avoir cette stratégie de reset, on a une Kai'Sa à la limite. Vraiment, si c'est ce que tu veux. Si tu veux partir sur un truc vraiment full one-tap, on a Kai'Sa, qui peut potentiellement marcher également. Si tu veux partir sur un pick vraiment utilitaire qui est là pour genre vraiment peut-être trouver des catchs. Alors je sais que Ashe est banni. Je sais que Ashe est banni, mais il y a potentiellement mieux en général dans la lane en général. C'est pas possible que ce soit genre le meilleur pick sélectionné. Bon, je sais que t'as potentiellement envie d'avoir plus de carry AD. Donc je comprends que Séraphine, par exemple, ce soit un champion qui soit un peu hors de portée pour l'instant et qui soit pas forcément. Enfin, qui soit plutôt hors sujet, entre guillemets. Je cherche vraiment un carry AD en général. C'est quitte à follow-up sur une engage, autant prendre une misfortune, quoi. Parce que au moins t'es moins committal à la lane et t'as un late game plutôt plus intéressant, t'as une plus grande facilité de poser tes dégâts et tu fais plus de dégâts en général. Donc j'ai un petit peu du mal à voir ce. En quoi est-ce que tu voudrais pick Jean plutôt que misfortune. En fait, la seule raison pour laquelle je verrais pourquoi est-ce qu'ils ont pick Jean, c'est parce qu'ils voulaient absolument un carry AD qui te permette de catch un mec de très loin. Donc il y a potentiellement l'avantage de la range, mais à la limite, pourquoi pas piquer Ezreal. Mais en plus, qui te permettent de combiner avec une engage pour pouvoir follow-up dessus avec son Z, avec son ulti de très loin. Mais je suis pas forcément sûr que ce soit genre la meilleure stratégie à utiliser, surtout quand tu te fais déjà counter thématiquement par une draft qui est là, effectivement, genre, principalement pour recevoir l'engage. Donc c'est un peu compliqué. Sachant que c'est un Varus attack speed, il se fait outrange par Senna, donc c'est pas un pick qui est potentiellement, à sortir d'une draft théoriquement. Je pense que c'est pas si dégueulasse que ça de même à choisir. Tu peux théoriquement te dire que Xayah a des très faibles chances de mourir dans la partie vu ce qui se passe actuellement. Alors il se fait outrange légèrement par Azir. À la limite, je peux la jouer létalité, c'est pas forcément un problème à ce niveau-là, même si je sais pas si les gens la jouent encore létalité actuellement. Le problème, c'est en effet elle se fait outrange par Azir, mais elle a quand même un petit avantage de range contre Varus. Et surtout, vu qu'elle a son ulti en général, elle n'a pas forcément de problème à empêcher le Viego de rupture un reset sur elle. Donc elle mourra à peu près jamais. Bon, le problème, c'est qu'elle se fait toujours. Elle se fait toujours out-theme, mais ça reste ok, quoi, on va dire.
Je pense que le meilleur AD carry dans le cas actuel de JDG, ce serait Miss Fortune pour le coup. Je pense qu'il n'y a pas forcément de photo là-dessus. Surtout que je pense pas forcément que ce soit un AD carry que Hope ne puisse pas jouer en général. L'alternative, ça pourrait également être Ezreal en général si tu veux vraiment pas te faire engage et donner un reset à Viego. Mais même dans ce cas-là, je suis pas sûr que ce soit non plus. Enfin, c'est intéressant quand même pour un pick qui outrange, c'est ce qu'il faut, basiquement. Là, vu qu'on a une composition qui, sur laquelle tu veux pas engage, le but c'est de vraiment poke un maximum les T1 sans forcément avoir besoin de commit sur une engage et potentiellement essayer de chercher un catch sur un mec qui serait out of pause dans la game. Mais dans ce cas-là, dans les AD carry, à part Ezreal et Miss Fortune, je vois pas forcément trop de choses que tu puisses prendre maintenant. Mais Jhin n'est certainement pas la réponse maintenant. En fait, à la limite, s'il avait joué genre létalité et que tu cherches vraiment à faire un maximum de dégâts avec ton ulti, avec ton Z, pourquoi pas. Même dans ce cas-là, ça reste vraiment dégueulasse, quoi. Même un Twitch, en réalité. Hein. Même un Twitch, j'aurais pas été contre. Hein. Parce qu'au moins, Twitch, il peut follow-up sur un Go-In de Belvette ou de Sejuani, en général. Et derrière, il a potentiellement un avantage de la range avec son ulti. C'est pas forcément si dégueulasse que ça. Tu peux le jouer Galeforce si vraiment t'as peur d'un Shiryu Mage Shuffle de Azir, mais... Je pense que Jhin n'est vraiment pas la solution. Surtout que c'est pas comme si t'allais te faire détruire en lane par Varus Renata, quoi. Le problème de ce Jhin, en réalité, je vais le dire, hein, en réalité, c'est que je trouve que le champion est vraiment pas fou dans la méta en général. Et que même si tu cherches un AD carry qui peut faire ce que fait Jhin, Jhin va jamais être le meilleur choix, en réalité. Genre, même si on part... en réalité, tu vois, vous voyez, si je dois faire un retour... Et à ma magnifique vidéo de la tier list des Worlds 2022, je sais pas où est-ce que j'ai foutu Jhin dans la tier list, mais c'est vrai que c'est un champion que je pourrais légitimement mettre en nul partout, parce que c'est vraiment un champion qui est très 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 dur à utiliser en fait, en général. Genre, on est sur un champion qui a... Genre, certes, l'avantage de la range et certes un peu de contrôle de full avec son root, avec ses traps, avec son ulti qui slow, mais ses dégâts sont quasiment non existants, surtout sur des cibles avec un petit peu de tankiness. Il a du mal à les placer parce qu'il faut vraiment qu'il soit en range auto-attaque. Il a besoin d'obtenir du coup des items qui lui permettent d'avoir l'avantage de la range, donc le canon ultra rapide, donc il fait moins de dégâts. Parce que du coup, il part pas sur des items qui soient plus un item de burst en général. Il a besoin de ses items utilitaires comme la Gale Force et l'ultra rapide fire canon, je sais plus, bref. Le canon ultra rapide pour pouvoir poser ses DPS, ne serait-ce que les poser, mais du coup, il n'a pas assez de dégâts overall une fois qu'il peut réussir à les poser à cause de son itemisation en général. Et ça le rend beaucoup trop limité dans la lane et dans la game en général. Surtout qu'en plus, c'est un champion qui est très statique, donc il est facilement. Tu peux facilement le tag, que ce soit avec une chaîne de corruption de Varus. Tu peux l'empêcher de jouer avec du contrôle de terrain, avec des sbires des soldats de Asien. Tu peux. Basiquement, c'est un des champions qui peut pas forcément s'en sortir d'un ulti Renata s'il a pas de Gale Force ou de Flash ou de Cleanse. Donc des summoners qui ont énormément de cooldown en général et qui est sujet à n'importe quel type d'engage potentiel. L'avantage qu'il y a avec Jhin, et là pour le coup ça c'est vrai que c'est un truc auquel j'ai pas forcément pensé avant et qui pourrait maintenant faire potentiellement sens dans le sens de JDG, c'est que lorsque tu piques Jhin dans la draft de JDG contre T1, ben t'es sûr qu'il y a au moins un reset que Viego voudra absolument pas avoir. C'est genre vraiment, il veut pas du tout avoir Jhin. Vraiment, si, même, je pense que s'il le tue tout seul, il le prend pas. Vraiment, on en est à un point. Vraiment, il le prend, il est en mode ah, vite, 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 il faut que j'ulti pour pouvoir sortir de ce truc. Vraiment, c'est vraiment la seule valeur que je veux bien donner à Jhin dans cette draft. Mais pour moi, c'est impossible de trouver une raison pour laquelle ils ont pick Jhin dans cette draft. Surtout que c'est même pas particulièrement pour la phase de lane, vu ce qu'on va voir plus tard. Et enfin, on a le Sylas. Bon, le Sylas, pour le coup, on est vraiment sur... Pour moi, la draft, elle est déjà baisée à partir du B4, donc autant sauter dans les enfers avec Sylas, qui est donc un champion full go-in. L'avantage de Sylas, c'est que perdu pour perdu, t'as énormément d'ulti à voler. Pour le coup, ça c'est vrai, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pick Sylas principal. C'est que on a l'ulti de Varus... Il est très intéressant avec Sylas, notamment parce que lui, il va avoir pas mal d'AP par rapport à Varus dans cette game, et donc son ulti va faire énormément de dégâts supplémentaires, même si ce qui est plus intéressant aussi dans Varus AP, c'est l'application de stack, et bon, pas comme si Sylas pouvait exploser les stacks de manière assez intéressante, quoi. L'ulti Viego est moyen plus, l'ulti de Azir est vraiment très bien, pour le coup, parce que pouvoir
pouvoir potentiellement utiliser le Shurima Shuffle, c'est-à-dire pour ramener des mecs dans ton équipe. C'est vachement intéressant en général. L'Ulti Renata est très bien aussi, d'ailleurs, également, puisque ça permet, en plus, ça force potentiellement ton Varus à détruire la gueule soit de la Renata en face, soit d'un Viego potentiellement. Faut pas être dans le soldat d'Azir, par exemple, aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Même si ça fait pas de dégâts pour le coup et qu'on profite pas des ratios d'AP de Sylas. Et du coup, plus tard, alors on va pas forcément parler de Gragas, mais c'est vrai que même quand on considère Gragas qui va être pick après dans la game, ça reste un pick ça reste un outil qui est très intéressant du côté de Sylas. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on a au moins 4 outils qui sont utilisables. Le problème, c'est qu'encore une fois, on est sur une draft qui est full go-in contre une draft qui est full défense et disengage, quoi. Donc, si tu veux go-in à 4, bonne chance, parce que tu vas te prendre une chaîne de corruption de Varus, tu vas te prendre un ulti Renata, donc tu vas littéralement pas pouvoir avancer dans le fight, tu vas pouvoir te prendre une shuffle de Azir, et si vraiment c'est la merde, on a le R5 qui vient d'arriver, donc qui est le Gragas, en top lane du coup, donc Gragas a une free lane, littéralement, c'est-à-dire il ne peut pas mourir. Ensuite, il va être là pour engage et disengage. Donc même si... Alors tu peux attendre que l'équipe en face se trouve sur leur engage et d'ailleurs réengage derrière pour pouvoir genre fuir, enfin t'attraper les éventuels fuyards après que la game, enfin l'engage soit finito. Et en finale, bon bah t'as surtout encore une fois un personnage qui est fort pour le disengage, même s'il est un peu polyvalent et qu'il peut faire plusieurs choses comme c'est Johnny basiquement. T'es un champion qui est capable d'utiliser son body slam pour vraiment, et même un champion en général qui peut servir de bouclier humain pour son Varus. Donc ça va être très compliqué de réussir à trouver une prison de glace sur un Varus qui se cache littéralement tout le temps derrière son Gragas. Avec potentiellement un ulti de Sylas, mais c'est quand même énormément de facteurs qui doivent être réunis pour pouvoir réussir à trouver une engage sur le Varus. Surtout que même avec ça, Varus il a quand même un flash, donc c'est pas forcément si facile que ça à utiliser. Et pour le coup, le Gragas, lui, il a son ulti. Donc à n'importe quel moment, si... Ton Sylas, il arrive à refoutre, il arrive à pousser, envoyer le Varus dans sa propre équipe. Bah Gragas, il a juste appuyé sur R. Il appuie sur R, même en normal cast, il appuie sur R, il met la souris sur le Varus, il clique gauche, et il n'y a plus aucun ennemi à côté de lui. Donc vraiment, même la capacité de catch d'un adversaire, c'est vraiment complexe. Donc on se retrouve avec un pick qui est très tanky, qui va pouvoir servir de frontline pour les autres picks en général. Une Renata qui va être là pour disengage et en plus permettre, garantir à au damage dealer d'avoir un certain DPS, même s'ils se font catch. Un Azir qui va être là pour basiquement profiter de sa range pour taper les JDG et genre juste les détruire leur barre de points de vie tant qu'ils engagent pas. Donc c'est vraiment littéralement du choose your death, basiquement. Soit t'engages et tu te fais baiser par le Azir et à son équipe, soit tu te fais pas engage et tu te fais baiser par le Azir. Et le Varus qui du coup... Lui, il va être là pour détruire ta barre de vie dès que tu vas commencer à engage avec son attack speed. Et le Viego, il va être là. Le Viego, il est là. Hein. C'est vraiment... Dès qu'il y a un mec qui meurt, il prend le reset et il fait des trucs. Hein. Mais avant, il est là. C'est déjà pas mal, en vrai. La composition de JDG, en fait, c'est ça que je trouve. C'est que dans cette draft-là, on a une composition qui est plutôt... deux compositions qui sont plutôt... comment dire... Elles sont cohérentes, entre guillemets. Elles ont le même thème, à quelques détails près, on va dire. Mais on a des trucs cohérents. Théoriquement, le Jhin, il peut fonctionner. Il fonctionne d'ailleurs très bien, surtout dans une composition qui go-in, parce que comme ça, il peut le suivre de loin sans forcément être inquiété par des potentiels dégâts. Et derrière, il peut finir les kills avec son ulti, qui est le seul moment où l'ulti peut être intéressant. Donc, c'est pas si dégueulasse que ça, comme draft en général du côté de JDG. C'est juste que ils sont piqués dans une composition qui les counter totalement. Et du coup, ça va donner un super bain de sang qu'on va pouvoir regarder en vitesse x2 sur le site de l'Olisports, parce que voilà, pourquoi pas en réalité. On est à 34 minutes, on peut très bien passer 20 minutes à regarder un petit peu cette game en accéléré, parce que bon, comme s'il se passait des trucs incroyables. On a un passing vers le bot des deux junglers en général dès le début, donc ça prouve que la bot lane c'est vraiment le point de focus des deux équipes, on va dire. De toute façon, là, ce que veulent les JDG, du coup, vu qu'ils ont perdu la composition et qu'ils ont perdu la draft en général, c'est ce mall, en général. On voit qu'il y a énormément de cookies, on a trois cookies contre deux qui ont été réalisés. Alors, pour prendre deux cookies en top lane, alors que c'est des match-up tanks qui n'ont absolument aucune
capacité de se faire snowball l'un ou l'autre ou de solo kill. Je trouve que c'est plutôt dégueulasse, mais bref. Le fait d'avoir deux cookies en bot lane, pour le coup, c'est vraiment se dire, bon, on veut vraiment être au maximum possible de notre phase de lane parce qu'on veut absolument trouver des kills en fait. Parce que si on trouve pas des kills très rapidement et qu'on explose pas la phase de lane et qu'on ne ressort pas à la 20ème minute avec 5 kills d'avance, on a perdu la game. Fuck. Ça met pas pause du coup. Ok, parfait. Du coup, on voit que ça push très rapidement du côté de JDG. Le niveau 1, pour le coup, il est à l'avantage de Jin. Pour le coup, s'il y a des rares avantages à trouver à Jin, c'est qu'il a un bon niveau 1, pour le coup. Et là, on voit qu'il y a des gros dégâts qui sont foutus sur Gumo ici dès le début. Heureusement, il a les cookies. Et surtout, le spec niveau 2, donc qui fait que c'est pas non plus si dramatique que ça du côté de Gumo aussi. Et surtout que derrière, on a ça. Voilà, donc on a Kharia. Alors, c'est vrai que c'est le moment d'en parler, parce que c'est vrai que j'en ai parlé, je pense, je sais pas si j'en ai parlé sur Twitter, mais... Kharia qui, dans ce BO, a prouvé qu'il était littéralement le meilleur support du monde. Et sans vraiment beaucoup de contestation en réalité. Donc là, on a les JDG qui s'éloignent un peu de la wave pour pouvoir poser une ward. Et là, on a Kharia qui décide de genre, avancer légèrement devant la wave et derrière flash in instantanément. Et surtout, attendez, est-ce que c'est le moment où ils sont niveau 2? Non, ok. C'est... ils viennent de passer à niveau 2 grâce à la wave, donc il n'y a pas d'avantage d'XP pour l'instant du côté des JDG. Et c'est très rapide. On voit qu'il bug un peu sur les... il se fait un petit peu creep block sur le... Est-ce que si je fais ça, ça marche? Ouais, c'est ça. Ça va être un peu long, mais... De toute façon, c'est une micro-interaction comme ça qui est le... qui sont les nerfs de la guerre hein, dans l'équipe, mais... Là, par exemple, vous voyez que là, on a Kharia qui passe énormément de temps à se faire creep block par les sbires ennemis ici. Vous voyez que là, pour l'instant, c'est pas si sus. Ce mouvement, mais là comme il va se mettre dans l'optique de contourner le sbire au caster en avançant, là pour l'instant tu peux juste te dire ok, là tout ce qu'il cherche à faire c'est mettre une auto-attaque sur Missing avant qu'il entre dans le bush. Du coup Missing il fait quoi? Il se barre, et il se retourne basiquement pour aller avec son Kharia-D et Kharia qui flash in instantanément et qui derrière décide de, bon, comment go in direct. Comme il a le niveau 2, il a donc le stun, du coup, en plus de son E. Donc il a ses sorts de DPS principaux, il ignite instantanément. Missing est roux, donc il peut pas flash. Il se prend la volée de flèche auto-attaque. Je pense que si il... attendez. Je veux juste être sûr. Je pense que Missing est pas au courant, mais... Enfin, il est pas conscient un petit peu du risque qu'il encourt basiquement au niveau 2, mais... En gros, regardez. Bon, là, vous voyez déjà le truc, mais regardez. En haut, on a écrit Rooted ici, sur Missing, qui fait que là, il peut pas bouger. Là, il peut pas bouger. La volée de flèche est toujours pas arrivée. Et là, à ce moment-là précis, il est plus root. Donc là, dès ce moment-là, il peut flash out, par exemple. Et s'il flash out maintenant, il se prend pas la volée de flèche. Là, il peut flash out. On peut même compter le nombre de frames sur lequel il peut flash out, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, on suppose que là, ça touchait maintenant. Ça fait 23 frames. Sachant qu'il y a 23 frames dans une seconde, enfin 60 frames dans une seconde. Ça veut dire que... Alors 2 secondes, laissez-moi sortir ma super calculatrice. Donc on va faire 1 divisé par 60 déjà. Donc ça fait 16 millisecondes, basiquement. Un peu plus de 16 millisecondes par frame. Et donc si on fait ça x 23, on se retrouve avec 38 millisecondes, soit... non, 383 millisecondes. Soit quasiment 0,4 secondes, sachant que c'est 0,4 secondes avant, enfin après le moment où il peut réagir. C'est pas 0,4 secondes après c'est pas 0,4 secondes après le lancement du E de Gumayu aussi. Donc il a le temps de react sur cette micro-interaction là. Le problème c'est qu'il flash trop tard, donc déjà il flash, c'est compliqué. Il prend tous les dégâts et derrière du coup il se fait tuer du coup. Et là First Blood. Et là derrière, ça semble rien du coup là, ce que je viens de faire pour l'interaction. Mais le fait que les T1 arrivent à obtenir un kill en 2v2 si tôt dans la partie, à 2 minutes 47, au niveau 2 basiquement. Ça veut dire que le plan de jeu des JDG, qui est d'exploser les lanes, il est déjà en train de s'écrouler parce qu'on a déjà la botlane qui peut pas tenir les deux premières waves du jeu, quoi, en fait, sans se faire tuer. Donc c'est compliqué. D'ailleurs, vous voyez, hop, là, fuck. Hop, il est obligé de... comment dire,
Il est obligé de foncer instantanément, d'utiliser énormément de spells pour pouvoir réussir à récupérer les sbires. Vous voyez, genre là, là il a, hop, il auto-attaque, il est obligé de Q-spell pour pouvoir last hit là parce qu'il a mis la pression de Karia qui a été mise. Il est obligé de Z derrière. Bon, là, il Z un peu pour rien, mais du coup, ouais. Il perd énormément de mana derrière. Là, les T1, ils push la wave, ils reset. Donc là, Hope, il est obligé de suivre le back parce que sinon, il se fait push sur le prochain back parce que les T1 ont le temps de revenir sur la lane. Donc il peut pas, genre, juste push la wave, tout ça, surtout qu'il est tout seul. Donc il a pas le temps de push tout seul. Donc il est obligé de match le reset. Là, il le match encore un peu tard en plus. Mais du coup, le problème qu'il va avoir, c'est que la wave est redevenue à un état neutre. Donc c'est pas possible pour lui de profiter potentiellement d'une gestion de wave plutôt intéressante pour cancel ça. Là, on a un gank sur la mid lane qui peut pas forcément donner grand chose parce que c'est Azir du coup. Donc la mid lane va se neutraliser en général, sachant que normalement Yagao est censé perdre en termes de farm. Là en plus, il y a un crash qui arrive alors qu'il y a deux sbires d'avance. Donc il va normalement, si Faker est bon, il va repasser devant. Voilà, c'est ça. Là, on a des ganks qui vont être sur. Ouais, en plus, on a. Le problème, c'est que là, du coup, vu qu'on a le reset tardif qui a été réalisé du côté des. Non, c'est ça. C'est même pas un reset tardif, c'est qu'il a décidé de pas reset. Il a décidé de pas reset finalement. Et du coup, c'est ce que je disais. C'est qu'il a décidé de pas reset parce qu'il avait Missing qui revenait. Et donc, ils ont décidé de push la lane. Regardez. Ils ont décidé de push la lane avant qu'il back. Parce qu'ils disent, bon, le seul moyen qu'on a de pas se faire détruire instantanément, c'est parce qu'on a un crash. C'est ça. Si on arrive à avoir un crash, on peut potentiellement gagner. Le problème, c'est que là, comme ils ont pas réussi à crash suffisamment vite parce que Missing est mort, d'ailleurs, ça permet à Honor de venir et de forcer instantanément le flash de Hope. Donc déjà, t'es dans une situation encore plus dégueulasse qu'avant. La top lane, il va rien se passer. Encore une fois. Et là, on a Kanavi qui essaie de faire des coups de torch jungle parce qu'il a vu le gang de Honor. Il essaie de faire des trucs sur la top lane, mais c'est pas comme s'il pouvait faire énormément de trucs. C'est un Garga's Tank. Donc bon, il va lui faire 0 dégâts, basiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Il peut rien se passer. Ils peuvent pas mettre sous pression de Garga's parce que c'est un match-up tank contre tank. Et que Kanavi peut pas le tuer. Même en tower dive. Dans les trucs qui sont tentés, mais bon voilà, c'est ça. C'est que même dans les meilleurs trades possibles de Yagao, il peut pas tuer Faker quoi. Faker, il a encore un flash et un E quoi, donc il est très très large en réalité. Même si on a Honor qui est là pour potentiellement protéger Yagao, là il devrait forcer le crash en général. On a Faker qui décide de push de toute façon. Voilà, et d'empêcher Yagao de récupérer le crash de la wave. Voilà, donc il prend énormément d'HP en général. Là, on a les style self de fou furieux de Faker, parce que là, pour le coup, il a pas mal overextend en général, il s'est pas mal avancé pour rien, mais il a permis de basiquement empêcher Gago d'obtenir trop de sbires sur ce crash. Et à la botlane, bon voilà. Du coup, vu que t'as gagné les premiers trades, là, en plus, on a le problème de Jhin qui est obligé de partir sur des bots améliorés. Enfin, c'est compliqué du coup de sa part, parce que du coup... Là, il perd complètement le 1v1 contre un Varus qui a une sceptre vampirique, quoi. C'est compliqué. Il a plus de gold, théoriquement, que Gumayusi, parce que Gumayusi est back avant lui. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Ils se font crash, du coup, T1 récupère instantanément le Drake Infernal. Donc il n'y a pas de stacking de Drake possible du côté de JDG, ce qui était aussi une des conditions de victoire qu'il pouvait utiliser. Donc là, c'est compliqué. Déjà, dès la 7ème minute, c'est compliqué. Là, déjà, on va avoir des moves qui vont être faits. On va avoir 3-6-9 qui est obligé de décaler en perdant énormément de farm en top. Regardez, vous avez vu là, ici, la wave, qui est en train de crash. Alors, certes, on va avoir Yayo, mais il va être poussé à rotate en top pour pouvoir essayer de la récupérer. Le problème, c'est que là, 3-6-9, même avec le move qu'il fait, il sera pas là pour récupérer le crash. Donc là, ils arrivent à trouver le kill sur Kiria qui a toujours pas récupéré son flash depuis le kill. Donc, c'est pas si dégueulasse que ça. En plus, on a le Jhin qui commence à être remis un peu dedans, mais il a toujours. Voilà, il a toujours un peu. Il n'y a pas forcément de retard pour le coup là, sur ce coup là, c'est ça. Là voilà, il y a 80 gold d'écart. Mais vous voyez le nombre de ressources qu'on a dû foutre. Là on a un crash qui a été fait du côté de Faker. Cette wave là, elle va pas être récupérée. Enfin, ça va être récupéré par Kanavi basiquement, mais du coup il perd du temps sur son clear de jungle en général, donc c'est quand même des ressources qui sont dépensées. Donc ils ont baisé un crash pour pouvoir essayer de trouver un kill sur un support. Parce que juste pour pouvoir rester even sur la bot lane. Donc c'est impossible. Enfin, c'est. Ils sont obligés de dépenser tellement de ressources, ne serait-ce que pour arrêter l'hémorragie en botlane, que c'est compliqué. Et là, derrière, bon, là, il y a T1 qui décide de potentiellement... c'est ça, c'est la tradition de coréenne de potentiellement lose la game à l'Herald. C'est ça. Ils essaient de contester l'Herald globalement parce qu'ils savent qu'ils sont meilleurs et surtout, enfin, mieux dans la partie, entre guillemets, pour l'instant, même si c'est pas de beaucoup. Mais surtout qu'il y a des gens comme Yagao qui n'ont pas forcément pu faire un reset incroyable. Donc, ils veulent profiter maintenant de leur avantage. Il y a le décalage de support.
Mais c'est un peu compliqué d'entrer dans le truc. Bon, je crois que finalement ça va quand même être récupéré par JDG, je crois. Mais ça va être un prix quoi, basiquement. Le problème c'est que là on a aussi le décalage des AD Carry qui vient d'arriver, mais bon. On voit la différence de stuff, parce que là, Gumiushi il vient de faire son back, il a un Noon Quiver, et là tout de suite, bon t'as beau avoir une pioche et une lame, une épée longue, quand t'as Noon Quiver et derrière le set vampirique en face, c'est compliqué quoi. Et je suis pas sûr que les bots t'aident à faire énormément de choses, parce que t'es obligé d'acheter les bots surtout parce que t'as tellement peu de mobilité que tu peux te faire détruire dès le début. Là on a un ulti Yageo qui est là pour essayer potentiellement d'inosoler un mec, mais ça a pas marché. Le problème c'est qu'on a énormément de repositionnement aussi du côté des T1, c'est-à-dire qu'on a un dash de Viego et un ulti, on a le body slam de Zeus, on a la virgule de Faker, donc c'est pas totalement un truc qui peut permettre énormément de repositionnement. Et là on a un flash-in sur Hope, Hope qui va instantanément cleanse, donc ça va en réalité. Et derrière, Zeus qui loupe son engage. Là pour le coup c'est pas un si mauvais trade que ça pour les JDG. Là en vrai c'est le meilleur setup de teamfight qu'il pourrait tenter. Sauf que là on a Faker, bon Faker il fait des trucs, il tente un truc. Il a loupé sa partition impériale, c'est dommage. Mais du coup, ça lui permet de quand même continuer à mettre son DPS dans la backline pour l'instant. Vous voyez, là, bon, il est un peu tout seul parce que voilà. Il arrive un peu. Et il flash out au moment. Non, il meurt pas. Il meurt quand même, ok. De l'autre côté, on a Honor justement. Oh, regardez, hop. Ah, le bailout. Encore une fois. Alors là, il a pas eu le temps quand même de récupérer son. Je crois que c'est parce qu'il y a une explosion du Q-spell de Sylas, je crois. J'aimerais bien regarder ça, pour le coup. Donc là, ce qui se passe, c'est que. Là, on a on a donc les JD qui sont instantanément cessés par l'ulti Renata dont on parlait plus tôt, donc quand ils essaient d'engage. Pendant ce temps, là, on a un Honor qui se fait un peu focus des deux côtés. Kanavi qui est assez low life, qui pourrait se barrer en réalité. Mais je crois qu'il va décider de revenir, c'est ça. Il va décider de revenir parce qu'il y a eu un. Non, il n'y a pas eu un kill. Oui, il y a eu un kill. Ah non, oui, parce qu'il vient de tuer l'Herald, c'est ça. Il vient de tuer l'Herald, du coup, vu qu'il réussit à récupérer l'Herald, il obtient son ulti. Donc il explose et tout, bon ça fait pas énormément de dégâts au niveau 6. Il tue Honor grâce à ça, mais il a quand même le Z de Renata sur lui, donc il survit. Et derrière, vu qu'il réussit à tuer... vu qu'il a pas de scorch, ça doit être une explosion de Q-spell. J'avoue que j'ai un petit peu la flemme de faire 14 000 retours en arrière, parce que c'est un peu compliqué à analyser comme ça de très loin. Mais en gros, on voit que on a genre un bailout qui permet de récupérer un trade kill sur Honor et qui si à quelques détails près là lui permettait d'obtenir le reset sur Kanavi et de potentiellement retourner le fight quoi. Ça joue un peu pour une victoire des T1. Derrière là on a 369 qui avance pour une raison X ou Y. Là il peut se barrer là. Pourquoi il avance? Ouais il avance tout seul, ok, il a décidé d'avancer tout seul. Et pendant ce temps on a Faker qui flash out mais qui a l'inite sur lui donc il meurt quand même. Et là on a Yago qui essaie de retourner, de regoin parce que certainement qu'il voit Hope avec énormément d'HP, mais même c'est que Hope c'est pas Dieu quoi. Malheureusement c'est un Jhin. Sur n'importe quel autre AD Carry, moi je pense que là, la counter engage de Yagao ici, elle est pas si dégueulasse que ça. Le truc c'est que ils ont l'Herald, on est sur un 2-2 après la mort de Faker, là, à ce moment-là. Là il pourrait totalement décider de se barrer. On a deux champions qui sont très très loin en HP, même si Sylas a un Z, hein, c'est pas la question, il est très très loin en HP en général. Et on a un Jhin, alors certes, on a un Jhin, il est full life lui. Par contre, c'est Jhin, du coup, il a pas un énorme DPS en général, quoi. Il va pas pouvoir détruire 3 personnes en même temps, même s'il a beaucoup d'HP. Et en plus, il n'y a pas de mana, quoi, donc c'est compliqué. D'ailleurs, il tente une engage, il essaie de mettre les dégâts qu'il peut, même le Q-spell marche pas, quoi. Si le Q-spell passait, il y a potentiellement un triple kill de Hope sur ça, mais il est même pas passé, quoi. Là, on a la quatrième balle qui tue même pas Zeus. C'est pour ça que je dis que Jhin, bon, tu vois. Même dans ce genre de situation-là, il peut même pas... La diatrime balle, elle tire en chrom. En plus, en fonction des PV manquants, l'adversaire. Donc c'est vraiment... Il peut même pas faire assez de dégâts pour tuer un Gragas full tank. D'ailleurs, il se prend l'explosion des marques, il a vraiment pas d'HP. Les T1, eux, ils sont en mode... Attends, peut-être que... On a les petits mouvements de Goumaï aussi, mais voilà. Il essaie de se barrer à ce moment-là, il essaie d'arrêter un petit peu le feu. Donc c'est du 2-2 au final. 3-2 du coup. 3-2 pour T1 parce que Yagao s'est suicidé, mais... Basiquement, si on n'avait pas le go-in de 369 et Diagao, pour aucune raison, je pense qu'il y avait moyen pour JD de gagner un petit peu plus d'avantages sur ce move-là, parce qu'ils auraient eu l'Herald plus 2 kills contre 1. C'est pas si dégueulasse que ça, en général. Mais malheureusement, ça n'a pas pu faire grand-chose d'autre. Là, c'était un moyen qui aurait pu avoir la game d'exploser en faveur de JDG, mais ça s'est pas produit. Notamment parce qu'ils ont été piégés par leur composition à vouloir vraiment trop foncer dedans. Même si je pense que là, pour le coup... En tant que JDG, tu devrais te dire qu'il ne faut pas forcément engage dans ce genre de situation-là parce qu'on a forcément trop à perdre. Vu que si on passe derrière, on ne peut pas forcément réussir
à revenir dans la partie. On a le Drake qui est sélectionné du coup, récupéré grâce à la prio de bot, basiquement en général. Derrière de l'autre côté, ça va cross map sur la bot lane, mais bon, là tu partages les plaques entre Belvette et Sejuani, tu mets devant une Sejuani, ça sert pas à grand chose, tu vas faire charger le Herald quand même, mais ça va pas forcément permettre d'avoir la deuxième tour. Donc tu récupères le first blood de Tourelle parce que c'est un peu tout ce que tu peux vraiment réaliser, mais derrière on a la bot lane et JDG qui va genre juste perdre toute une wave en général, toi tu vas récupérer des plaques en général, derrière c'est compliqué. Le Garrus, lui, derrière, il peut continuer à farm, hein. Lui, ça va. Hein. Là, il réussit. Là, on a un ulti, bon, voilà, l'ulti Jhin, lol, MDR. Voilà, bon, c'est... Je vais devant l'ulti Jhin et lol, il se passe rien. C'est le problème de Jhin, encore une fois, c'est que même dans les situations où t'as une cible qui est low life, et que tu peux potentiellement exécuter avec ton ulti, bah, comme les mecs peuvent juste se mettre derrière, c'est compliqué, quoi. Même dans le pourcentage de cas où l'ulti peut avoir de la valeur, parce que quand tu peux pas genre tuer des mecs instantanément avec ton ulti, l'ulti a très peu de valeur parce qu'il fait pas énormément de dégâts. Il a que un maigre slow, ce qui est pas forcément incroyable non plus. Bref. Du coup là dans les games on a des trucs, là bah du coup bon ça c'est un 2v2 là, mais bon alors c'est compliqué quoi. Là vous voyez... Là, le Jhin, bon, je suis sûr qu'il est super content d'avoir pris des bots de célérité exprès pour pouvoir aller plus vite. Tout ça pour regarder. Ah ouais, c'est... Bon, il n'a pas bien cliqué. Il aurait pu continuer à cliquer plus vers le bas pour pouvoir avancer plus en ligne droite, mais... Le problème, c'est que la vitesse du Z de Renata fait que, bon, bah... Le Varus, il peut tenter tranquillement le kite, quoi. Donc il commence à perdre en 2v2, on n'a pas empêché le 2v2 du coup de saigner en général du côté des DLG, donc la botlane est en train de perdre de manière assez lourde. On va réussir à trouver un shutdown sur Faker, mais derrière, regardez-moi cette partition impériale qu'il fait, genre. Là en fait on arrive à faire un stun très bien, le problème c'est qu'ils n'ont pas le temps de le tuer avant qu'il puisse mettre une partition impériale pour ramener toute l'équipe devant. Derrière on a un ulti Viego, on a le téléportation de Gragas, derrière voilà, enfin c'est le bloodbath du truc. Donc en plus c'est Viego, donc... Toutes ces escarmouches avec genre, voilà, là, tous ces 2v2 avec deux cibles qui n'ont pas beaucoup d'HP, enfin, 4 cibles qui n'ont pas beaucoup d'HP, bah, ça profite à Viego parce que il peut posséder des gens, il peut, genre, récupérer des HP, il a des cooldowns de son adversaire qu'il peut utiliser instantanément, donc, voilà, derrière, ça te fait du 3 pour 1. Donc, c'est, même dans ce cas-là, tu vois, là, on a déjà un Kaggle d'avance à 15 minutes. Donc, pour les T1, c'est très compliqué, quoi. Et je veux juste parler une dernière fois du dernier teamfight qui va se passer. Alors, là, on a un teamfight à l'Herald, on va avoir un Herald encore une fois récupéré du côté de JDG, donc on a la condition entre guillemets de victoire de Kanavi qui est d'obtenir énormément de Nashor et d'Herald qui est plutôt bien, mais d'ailleurs regardez, enfin ils peuvent pas avancer dans les teamfights, rien que pour récupérer l'Herald ils ont dû s'avancer de fou, derrière ils se font juste ramasser derrière, vu qu'on a, les resets du Viego qui peut... Voilà, et derrière, bon, ouais, compliqué quoi. Parce que le problème c'est qu'en plus avec la virgule de Faker et de Zeus, si t'arrives pas à faire dépenser suffisamment de ressources aux adversaires, donc à T1, pendant l'avancée, donc pendant la première engage. D'ailleurs, ils ont un flux explosif de Gragas, ils ont les resets de Viego, ils ont justement ils ont la virgule d'Asie. Hein. Genre, si là, Faker, il avait eu besoin d'utiliser son ulti pour le fight, hein, là, il n'aurait pas pu l'utiliser là. Mais du coup, vu que l'engage a été si mal faite qu'ils ont pas, ils ont genre focus le Herald, Et ils n'ont pas fait utiliser des cooldowns à T1. Ils gardent quand même ces outils de disengage qu'ils peuvent utiliser pour derrière ramener les ennemis vers eux et gagner le teamfight de toute façon. Donc, c'est vraiment un autre draft en général. Donc là déjà, bam, on est sur 3 kagols d'avance à 16 minutes. Et ça va vite, hein. Ça va vite quand la draft est meilleure. Après, je pense que encore une fois, la draft est meilleure parce qu'ils ont parce que justement les JDG, il faut pas non plus. C'est ça, c'est un commentaire qu'ils m'avaient dit dans la vidéo sur Rogue. C'est vrai que il faut que je replace aussi dans le contexte que la draft est aussi favorable pour T1 parce que les JDG ont été forcés d'aller dans cette draft là à cause de leur différence intellectuelle, mécanique. C'est-à-dire que si on pouvait potentiellement partir sur d'autres picks que Jhin. Ou si on avait la capacité de jouer autrement au niveau de la partie que dans cette identité de draft très chinoise, très go-in, très agression, comme on en avait parlé dans le BO qu'on avait analysé plus tôt dans l'année entre Top Esports et JDG. C'est-à-dire que quand on a des compositions qui sont quasiment tout le temps full engage du côté de la Chine, dès qu'on arrive sur une composition en face qui est plus en réception d'engage, t'as beau être parmi les meilleurs joueurs du monde individuellement, ça reste impossible. Ok. Bon, là, c'est le dernier teamfight qu'on va analyser parce qu'après, tous les teamfights se ressemblent.
Là, on a une bataille sur la midlane pour le push avec avant le Drake qui a déjà spawn. Et là, on a 369 qui est obligé de se positionner très très haut dans la partie parce qu'il cherche à trouver un catch. Derrière, le problème, c'est qu'il se fait instantanément alpaguer par à peu près tout le monde, donc il se fait one-shot instantanément. Donc là, déjà, le fight est perdu. C'est ça le problème, c'est que la condition de victoire de Viego dans un fight, c'est réussir à obtenir un kill, littéralement. C'est un peu bizarre, mais voilà. Dès qu'il arrive à obtenir une possession, il peut faire des trucs. Là, vous voyez, par exemple, il y a un ulti Renata qui a été volé par Sylas, il s'est rien passé. Genre, on peut revoir basiquement tout ce qui a été fait par l'ulti Renata, là, juste pour le job, parce que bon, là, on va de toute façon arriver à une heure de vidéo, donc... Voilà. Ok, donc là, on a l'ulti Renata, ok, ça se tape, ok, ils ont perdu tous à peu près moins de 200 HP. Zeus qui l'a pour tanker toute sa vie, et là, derrière, bon, voilà, c'est ça le truc, c'est que... En fait, comme tous les GDG se commitent pour essayer d'obtenir un kill pour que Kanavi ait son reset, un truc comme ça, là, le problème, c'est qu'en plus, on a le root de l'ulti de Gomayusi, on a Honor qui est dans la mêlée derrière avec une Sejuani. Voilà, il obtient la possesse instant. Derrière, il peut bloquer la retraite et derrière, whoop. À partir du moment où t'as... Parce que là, on a Azir, comme là, ils ont réussi à unifier l'engage de Gigi, Azir, il est free DPS, il fait ce qu'il veut là dans la game. Et là, derrière, Faker, qu'est-ce qu'il décide? Bah, il décide de faire ça, en fait. C'est... Et tu peux rien faire. Et le problème, c'est que c'est même pas comme si le problème c'était Azir et free DPS, c'est que Azir est free DPS, Renata elle peut pas être touchée, Goumé aussi il est free DPS aussi. Regardez là, il mitraille quoi. Et derrière c'est le carnage. C'est le carnage. Donc voilà. Après bon, la game dure très 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 longtemps là. C'est genre voilà, c'est terminé genre. Très longtemps, j'ai pas dit très longtemps, ça dure 24 minutes, mais on a l'impression que ça dure très longtemps parce qu'il y a genre 3 ou 4 teamfights qui se passent exactement de la même manière que celle-là. Mais le problème, c'est que voilà, les JDG sont forcés à ce moment-là de tenter des conflits permanents, et à chaque fois qu'ils les perdent, ils deviennent encore plus en retard, donc ils ont encore plus de difficultés à réussir leur conflip. Et au bout d'un moment, voilà, il y a 12k gold et tout, c'est compliqué quoi. Donc ouais, la draft a été compliquée du côté des JDG. On a été forcés, à cause des différences individuelles des différents joueurs de JDG, à partir sur une draft qui est vraiment toujours dans le style pur LPL, c'est-à-dire que vraiment le style full offensif, c'est un style qui a été joué par les équipes de LPL pendant toute l'année, basiquement. C'est-à-dire que ils ont 20 équipes, et les 20 équipes jouent comme ça. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, les 4 équipes qui sont arrivées au Worlds, ils ont le même style de jeu, basiquement. Donc, comme on n'a pas suffisamment de styles de jeu différents en LPL, en tout cas dans les équipes qui ont été envoyées en LPL, donc je suppose que le reste de la ligue doit pas forcément être très différent, mais... Comme on a toujours le même style de composition qui sont utilisés de côté de chaque équipe, et ben on se retrouve avec des compositions très unilatérales, très unidimensionnelles. Et à partir du moment où tu décides de partir sur une composition qui répond thématiquement à cette composition type de LPL, et ben c'est finito quoi. Il suffit juste d'être meilleur, en tout cas aussi bon, rien que être aussi bon en lane contre la LPL, et ne pas être à 3k gold, à 4k gold d'avance avant les 20 minutes de jeu, comme l'ont été les équipes européennes, notamment Rogue, qui s'est fait pisser dessus pendant 3 games, parce que malheureusement, individuellement, ils sont pas aussi forts, ça c'est le problème. Malgré leur bon parcours, et le fait qu'ils avaient des drafts qui étaient potentiellement intéressants dans certains moments, notamment, je pense, la troisième draft était potentiellement la plus intéressante des 3, mais c'était, enfin, voilà, ça restait pas... Enfin, c'est quand même pas aussi glorieux que ça, c'était pas une draft qui était un counter aussi mathématique et aussi froid que ce qu'on a eu là dans cette game 4 de T1. C'est pour ça que, selon moi, les T1, là, à partir du moment où ils ont réussi à obtenir la différence individuelle, ou même ne serait-ce qu'à ne pas tomber derrière dans leur league game, ils avaient rempli leur taf, quoi. Ils ont de toute façon la win à partir du moment où ils sont à égalité à la 20e minute de jeu, et là, ils étaient devant à la 20e minute de jeu. Donc c'était impossible pour JDG de revenir dans la partie. Donc pour moi, je pense que la perspective de la LPL pour genre les prochaines années, j'aimerais beaucoup, mais je sais pas si ça va être possible. Je sais pas si c'est ce qui va vraiment être développé du côté de la LPL, parce que j'ai l'impression que c'est une entité de draft qu'ils ont depuis 3, 4, 5 ans, quoi. C'est-à-dire que pour moi, Invictus Gaming, ils jouaient pareil, FPX, ils jouaient pareil, Edward Gaming, ils jouaient pareil, même Suning, ils jouaient pareil. Donc c'est un défaut que je trouve qui est très récurrent à la LPL en général, et tant qu'il n'y aura pas de diversité de draft très élevée, même si on a diversité de picks, comme on a pu le voir, on a eu un Malphite qui a été pick du côté 369, les gens qui disent qu'il n'y a pas assez de variation de picks du côté des JDG, c'est forcément ça le problème. Le problème, c'est que tous les picks font la même chose, et tous les picks rentrent dans la même optique, et dès qu'ils sont dans une optique qui est très différente, et qui est plus basiquement défensive, plus forcément une composition qui est centrée sur l'engage, ils n'arrivent pas à la jouer, ou alors...
basiquement, c'est trop peu d'ailleurs. Même chose, il la pique tout simplement pas, quoi. Ou alors ils essaient de la jouer comme s'il y jouait une conviction engage. Et c'est peut-être selon moi pour ça qu'ils n'arrivent pas forcément à sélectionner plus de champions qui ont une identité de draft un peu plus différente et un peu plus défensive. C'est qu'ils doivent essayer de les jouer comme ils jouent voilà, une Belvette, un Sejuani, un Sylas, tu vois. Ils essayent de jouer Talia comme ils jouent Sylas, ça va être un peu plus compliqué de bien réussir à jouer Talia, quoi. Et je comprends un petit peu dans ce cas-là pourquoi est-ce que ces picks-là sont pas autant sélectionnés en LPL. Mais pour moi, la seule manière qu'aura la LPL de vraiment gagner à partir du, enfin, sans reposer sur des individualités qui sont vraiment meilleures, c'est de miser soit sur des drafts moins bonnes de la Corée, ce qui est arrivé hein, d'ailleurs dans le BO. Enfin, genre la première game, la draft de T1, elle est horrible. Enfin, je vais pas commencer à en parler, ce sera peut-être pour un autre temps, mais la draft de T1, on est sur du full engage, mais on a Galio qui est en full AP, enfin solo AP. Et pas assez de dégâts AP derrière, on a genre Zeus qui se fait littéralement counter par 3-6-9. On a Honor qui peut pas forcément arriver sur Aphelios parce qu'il réfléchit. Enfin, Aphelios à lui seul il counter quasiment toute la composition des T1 quoi. Donc c'est compliqué à ce niveau-là. Lulu qui est là pour le protéger, Talia qui répond aussi thématiquement à la composition des T1. Alors à part 3-6-9 qui lui aussi peut également servir de frontline, vu l'intimidation sur laquelle il part. Il y a que le Viego qui vraiment est rentre dans la composition derrière, mais c'est ce genre de truc, c'est que si la Corée draft comme elle a draft comme T1 a drafté dans la game 1, la Chine va dominer parce que les T1 peuvent pas forcément gagner contre les JDG dans un scénario où les JDG jouent basiquement à chaque game quoi. Mais dès qu'ils partent sur des drafts qui sont plus défensives en général et qui répondent thématiquement à cette draft typique de la LPL, et ben voilà, il suffit juste de pas forcément de pas se faire détruire sur les lanes. Et comme individuellement T1 pouvait match JDG, et ben ils ont pu gagner les 3 prochaines games. 3 games suivantes quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que bon, là on a vraiment fait un deep dive dans cette game là. Parce que je pense que c'est intéressant d'analyser à la fois la draft et à la fois ce qui s'est passé dans la game pour ce BO. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ce BO, il était assez stylé parce que même si on a eu des drafts particulières des deux équipes, on a eu des plays assez cool, des retournements de situation vraiment stylés dans toutes les games. Donc je trouvais ce BO très très intéressant à regarder. Et potentiellement le BO le plus fun à regarder de tous ces Worlds. Voilà. En plus je vous ai pas trop spoil ce qui s'est passé dans les games quoi, c'est juste je vous ai spoil la dernière, mais les trois premières valent définitivement le détour. Donc voilà. Je vais essayer de ressortir une analyse aussi sur DRX Genji avant la finale, histoire de vraiment couvrir toutes les demi-finales. Et de faire une dernière pronostic pour cette dernière dans la vidéo d'Epic Zem. Donc si vous voulez voir un petit peu toutes ces vidéos qui vont arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications en activant la cloche. Si vous aimez cette vidéo, celle-ci pour le coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et avoir gagné un petit peu, faire gagner un peu du référencement à la chaîne. Et moi du coup, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine.